Oui. Monsieur le maire. Je ne suis là pour personne. Oui. Monsieur le maire, c'est un colis pour vous. J'ai déjà dit que je ne suis là pour personne. C'est une pizza. Faites entrer. Ah ! Une 4 saisons. Salut, chaton. Salut. Bonne journée. Oh, ils me font chier en ce moment chez Bricoflex. Faut en faire toujours plus, toujours plus. Par contre, ton salaire, il bouge pas. Hein. Et tu sais quoi, on va faire un deuxième gosse. Je vais mettre en congé mat pendant 6 mois, ça va bien les foutre dans la merde. Ça, c'est pas ce que j'appelle une bonne raison, chaton. Ouais. Bon, bah, je vais prendre quelques RTT d'un coup. Oui, fais ça plutôt. C'est moins fort, quand même. Ça va pas ou quoi, là? Oh! Enfin, Martine, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas à la pharmacie avec Randolph? Si, je vais y aller. Ouais. Mais avant, faut que je vous parle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous puez l'alcool, Martine! Voilà. Oui. C'est terminé entre nous, Philippe. Comment ça, c'est terminé? Vous voulez quitter la pharmacie que je vous... Non. Quoi? J'ai décidé de ne plus être attirée sexuellement par vous. Oui, bah... D'accord, oui. Vous aurez beau me faire votre sourire à la George Clooney, me sortir vos plus belles blagues, rouler du cul, rien à faire. Je resterai de barbre. Oh, je crois qu'il va falloir que j'aille à sa place, chérie. Ah, oui. Bah, du coup, moi, je vais venir avec toi. Hein. Bah, écoute, notre soirée est foutue autant qu'on la passe ensemble. Oh. Oh, bah alors. Ah non, mais là... Ah, ça, c'est trop fort. Je viens de découvrir un truc, là. Mm-hmm. Alors, si je veux, je peux démissionner de mon poste de maire pour convenance personnelle. Ah oui. Ah oui, non, mais attends, pour convenance personnelle, c'est marqué. Si je veux, moi, je peux arrêter d'être maire quand je veux, comme je veux. Je me tire et basta. Et là, attends, puis là, je n'ai aucune raison à donner à personne. Mais si. Ah non. Mais si, à moi. Ah ben oui. Ben oui. Eh oui, ben oui, bien sûr. Sinon, t'as fini? Non, je... Allez, entre, Françoise. Ah, bonjour, Françoise. Salut, Raymond. Bon anniversaire. C'est pas mon anniversaire. Ah. C'est ton anniversaire, Huguette? Ben non, c'est pas mon anniversaire. Ben, c'est l'anniversaire de qui? Ben, de personne. Alors, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je vous rends visite, c'est tout. Pour quel motif? Bah, comme ça, pour nous voir. Ok, comme ça, pour vous voir. Comment comme ça, pour vous voir? Bah, pour c'est une visite de courtoisie. De? De courtoisie. Hein? Voilà. Pour papoter entre sœurs. Voilà. Ah, papoter entre sœurs. Ben oui. Parce qu'on a plein de trucs à se dire. Ah, bah, y a le téléphone, comme ça existe. Oui, mais c'est plus sympa de se voir. Ah, voilà. Bon, bah, je vous laisse vous voir. Hein? Famille de tarés. Hein. Mais pourquoi tu ne viendrais pas ma conseillère culturelle? Ben oui, pourquoi pas? Ben parce que tu as toutes les compétences, hein, tu connais bien les artistes. Ah ben oui. Puis tu peux créer des tas d'événements, des expos, tout ça. Ben oui, bien sûr, oui. Puis grâce à toi, la ville deviendrait une sorte de pôle avant-gardiste culturel. Ah ben oui. Ça te dirait de démarrer demain? Oh, mais arrête, mais évidemment! Je ferai tout, moi, pour avoir ce poste! Ah, d'accord. Ah, bah écoute... À voir. Quelque part, je me trahis moi-même. Tu comprends? Je mets pas en accord mes paroles et mes actes. Je lutte contre le capitalisme, super. En même temps, je travaille pour la grande distrib. Je ne suis pas à ma place. Ouais, je comprends. Et du coup, tu culpabilises? Non, pas du tout. Pourquoi je devrais culpabiliser? Ah, c'était pas une remise en question, ton truc, là? Non, c'était histoire de dire, quoi. Bon, allez, go! Au boulot! À ce soir! À ce soir? Thank you.
bien. Parfait. Très bien. Alors. Oui. Très très bien. Alors. Liliane ? Quoi ? Tu sais, pour le poste d'attaché culturel à la mairie. Oui, je sais. J'ai décidé de le donner à Sylvie Petit. Je l'avais prévenu, hein. Bon. Huguette. Mm. Je suis pas juste venue pour papoter. J'ai quelque chose à te demander. C'est grave. Ah bon? Ben vas-y, je t'écoute. On s'est toujours dit qu'on ferait n'importe quoi l'une pour l'autre. Mm. Non mais attends, c'est quoi, c'est si grave que ça? Ben disons que j'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. Huguette, je vais crever, faut que tu me files un rein. Il y en aurait pour 2 semaines, t'accepterais ou pas? François, bien sûr que j'accepterais. Enfin, j'ai pas envie de te voir crever. T'es ma petite sœur quand même. T'es sûre? Bah bien sûr que je suis sûre. Parce qu'entre l'opération et la convalescence, il y en aurait pour du 15 au 30 juillet. Mmh. Hein? Bah oui, c'est d'accord, pas de problème. Sinon, t'oublies ça et tu viens me remplacer à la station-service du 16 au 30, avec tes 2 reins. Et comme ça, moi, je peux partir en vacances avec mon nouveau mec. D'accord. Oh, bah, bien sûr, mais qu'on va te la garder, ta station-service, avec Raymond. Hein, Raymond. Moi, personnellement, j'aurais préféré que tu lui donnes un rein, mais bon. Eh ben, c'est vendu. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ah! Venez, allez-y. Liliane, conseillère culturelle à la mairie. Liliane, conseillère culturelle à la mairie. Oh, Liliane, conseillère culturelle à la mairie. Liliane, attends au moins que je dorme. Je vous laisse le verre d'eau, la Martine, hein, on va pas tarder à y aller. L'amour. C'est la cata, oui. C'est la cata. Ah oui, oui, c'est bien l'amour aussi. Ce truc là. Ma doudou. Quoi? T'es sûr que ça pose pas de problème que je remplace Martine à la pharmacie, comme je suis pas du tout pharmacienne? Mais si tu es pharmacienne. Ah bon? Bah, avec un diplôme de pharma, on devient un ou une pharmacien. Y a pas de féminin à ce mot. Ah bon? Non, la pharmacienne, c'est la conjointe du pharmacien. Ah, hein? Il faut pas avoir fait des études pour être pharmacienne. Non. Il suffit de coucher. Oui. Ah, c'est cool. Ah bah dans ce cas, moi j'ai été pompière, j'ai été plombière, j'ai été bouchère, ouais, d'accord. J'ai été tourneuse fraiseuse. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est rigolo ça. Ah ouais, c'est. Allez, bon, allez, viens, on y va. Non mais attends, doudou, tes clés. Voiturière. Alors ça, je l'ai été, hein. Bon, Martine, vous nous appelez s'il y a un problème, hein. C'est superbe, hein. On est bien là. Ça te va bien, ça, tu sais, ma poule. Ah bon, il y a une voiture qui arrive. Oh, tiens, c'est trop. Et moi, donc, ça fait 15 ans que j'ai pas bossé, moi, quand même. Oh non, mais on va être complètement paumé. Ah, ben, non, on va prendre du recul, Lucas, on va prendre du recul. Paumé, on l'est déjà, on l'est tout le temps. On l'est paumé avec l'informatique, avec la nouvelle box, avec les nouveaux ronds-points, on est paumé. Oui, c'est vrai, paumé, c'est chez nous. Voilà, voilà. Bonjour, madame. Excusez-moi. Oui. Vous prenez la carte à partir de combien? Oh, bah alors, la carte, alors, la carte. C'est à partir de. Hein, hein? Bah oui, c'est. C'est-à-dire que. On ne sait pas exactement que. Oui, on le sait truc pas. Là. Oui, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait même pas comment ça s'appelle, c'est pour vous dire. Ok. Bon, mais. Alors, faudra c'est un bel liquide. Objet. D'accord, merci. Voilà. C'est très joli. On s'en est sorti. Elle va payer cash. Bien, bien, voilà. Bougez pas, madame. Bonjour, madame. On va s'arranger. On va s'arranger. Vous payez cash.
excusez, je repensais là à cette idée de me nommer conseillère culturelle à la mairie. Ah. Eh bien, je crois que c'est toi qui as raison, tu vois, parce que je suis ta femme et les gens, forcément, ils penseraient que c'est du favoritisme, tu vois, ils comprendraient pas. Ah, mais oui. Bah oui. Ah, tu sais, je suis content que tout soit revenu à la raison. Hein. Non, mais voilà, c'est toi qui es dans le vrai, c'est tout. Même si, au fond, nous savons tous les deux que j'ai toutes les qualités requises pour ce poste. Hein. Oh, bah, ça, c'est indiscutable. Hein, ouais, ouais. J'ai le sens de la responsabilité, de la ténacité. Bah, absolument. Voilà, une certaine expérience du travail en équipe, quand même. Bah, et puis, sûr. Surtout, une sensibilité, une adéquation avec tout ce qui est artistique. Bah, bien hein. Entendu, bien sûr. Voilà. Pour autant, je suis ta femme. Et pour une question d'équité, tu ne peux décemment pas me faire passer devant les autres candidats. Voilà, ce serait malhonnête. Bah, juste. Ouais. Voilà. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on peut pas décider qu'on s'en fout ? De quoi ? Bah, de tout ça, là, de l'honnêteté, la justice, l'équité, tout ça. Hmm ? Bah oui. Est-ce qu'au fond, le plus important, c'est pas notre couple ? Sa sérénité, sa pérennité. Oui, bah oui, bien sûr. Et voilà. Bon, écoute, je te laisse réfléchir à tout ça, hein, et puis on en reparle quand t'es prêt. Allez. Je peux m'occuper des étiquettes. Attends, parce... chérie, voilà. Il faut que je te prévienne. Comme on va passer la nuit ensemble à la pharmacie, oui, bah, on va être dans le jus. Il va y avoir du monde et comme tu connais rien, je vais m'agacer à te répéter souvent les mêmes choses, tu vois. Donc je vais être un peu directif, un peu sec, mais il faut pas que tu le prennes mal. C'est le professionnel qui parle. D'accord. Voilà. Non, mais c'est bien qu'on se... Ah oui. Parce que moi, dans ce cas, il faut que je te prévienne que je vais t'envoyer chier. Mais c'est la prof de yoga qui parle, hein. Eh ben d'accord. Voilà, d'accord. Tu me prendras pas mal, hein. Non, tant qu'on se prévient. Mais oui, avant, faut se prévenir, voilà. Après c'est mieux. Alors, Rodolphe. Alors, vous êtes au courant pour Martine? Oh oui. Mais moi je suis là. Oui, voilà. Et Camille aussi est là. Allons-y. Bienvenue dans la famille. Bon, je vous rappelle, hein, je vais faire des coupes. Tu sais ce qu'on dit dans les couloirs? Non. Que je suis pistonnée. Et? Comment ça, et? Tout le monde pense que j'aurais jamais eu ce poste de chargée de mission culturelle si j'avais pas été ta femme. Ben, il est où le problème? Mais le problème, c'est qu'ils pensent que sans ça, j'aurais jamais été nommée, José. Ben, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Donc, t'es pistonnée, Liliane? Ah ben oui, je suis pistonnée. Voilà. Bon, le problème est réglé? Oui. Allez. C'est réglé. Ah oui, je suis pistonnée. Eh bien, ça, c'est terminé. Avec Rouleau PH2000, c'est facile, rapide et sans éclaboussures. Son secret, un réservoir de peinture intégré directement dans le rouleau. Fini les allers-retours entre le mur et les bacs de peinture. Plus vous appuyez sur le rouleau, et plus la couche de peinture est épaisse. Et pour le nettoyage, rien de plus simple. Il suffit de le rincer à l'eau claire et le tout. Hop, hop, repose ça, on n'a rien à peindre, on n'en a pas du tout besoin. Ah oui, merci. Ils sont forts, hein. J'ai l'air repeindre tout le salon, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah oui, tiens. Ah, comme oui. Tu avais oublié ton merci. Portable. Merci, c'est cool. Fabien. Fabien. Oui, oh, putain, deux fois quoi. Bon, vas-y, va-t'en de là, c'est pas pour toi ici, il y a des pièges partout. Non, mais non. Ah. Allez. Par là, tout droit, sortie sans achat. Ok, sans achat. Clac, clac. Rouleau PH2000, toute la déco en un coup de rouleau. Votre maison a besoin d'un petit coup de main? Vous n'êtes pas bricoleur? Histopane 2000 est le produit idéal. Histopane 2000, c'est comme si vous aviez un long qui a repère. Histopane 2000, c'est sans éclaboussure, un réservoir de peinture. Histopane 2000, c'est le produit. Huguette, c'est quoi le truc avant de servir le client? Bah, je leur demande s'ils veulent du diesel ou du sans-plomb. Non, ça gêne. Non, mais ta sœur a dit que c'est très important quand le client descend de la voiture. Ah. J'arrive pas à mettre tous ces trucs dans la caboche. Tu dis bonjour. Ah, voilà. Oh, merci, ma guéguette. C'est ça. Je t'en prie. Au revoir.
Ah, bonjour. Dis-moi, José. Ouais. Ce poste à la culture, tu me l'as offert parce que tu crois en mes compétences ou parce que je suis ta femme? T'aurais fait de moi un maire si j'étais pas ton mari? Très bien, un partout donc. Voilà. On peut passer au dessert? C'est bon, je suis prête. Mais tu peux pas mettre ça n'importe comment. Enfin, il y a façon et façon de la mettre, enfin. Ça en dit beaucoup sur la personne qui la porte. Il y a ceux qui boutonnent de haut en bas. C'est sérieux, tu vois, ça fait médical, genre Rodolphe qui compense son âge. Il y a ceux qui l'attachent jamais, souvent les pharmaciens de gauche. Moi, je peux pas. Ça, je peux pas. Et puis, il y a moi. Moi, je boutonne les deux premiers du haut. Comme ça, j'ai les pans qui sont lâches et je suis souple. Je suis souple dans les rayons, tu vois, je suis bien, quoi. Pharmacien de confiance, mais un peu bohème. Un fabot. Oui, un fabot. Alors moi, je crois que je vais plutôt la porter... Moi, je vais la porter à la cool, tu vois. Ouais. Genre comme ça. Bien. Un peu décontracte. Ouais. Mmh. Ou alors non. Non, col relevé. Ouais. Hein. Manche retroussée. Très fête de la musique. Très rock and roll. Bien. Because I've got the blues. Oh, because I've got the blues. C'est là, on a l'humour du pharmacien. Ouais. Ça, c'est l'effet blues. Ou alors, non, carrément, je me mets à poil en dessous. Col très, très ouvert, tu vois, très courte. Les cheveux, genre... un peu pharmachienne. Oui, on va voir ça. On va voir ça. Quelle heure est-il? Attends, quelle heure est-il? Oula, 16h. C'est l'ouverture des portes. Allons-y, allons-y. Les pans qui lâchent. Très souple. Ah ouais? Regarde. Ah, je vois bien la souplesse. Oui, j'arrive tout de suite. Une seconde, merci. Bien, allons-y. Oh. Encore? Mais j'ai pas eu le temps de m'écarter. Mais je t'ai déjà dit 100 fois de pas rester dans le tiroir caisse quand il s'ouvre. Bon, ben je recommence. Oh. Olé. C'est marrant, ouais. Regarde. Oh. Eh ben, c'est pas difficile. Vas-y. Ah, bonjour Isabelle. Ah, bonjour. Vous allez bien? Alors, votre fiston, son interro de maths, ça s'est bien passé? Je suis contente, il a eu 12. Oh, ouais, bah, c'est parfait. Il progresse alors. Ah oui. Bon, allez, je vous laisse. Au revoir. Hein. Allez, au revoir, bonne journée, monsieur. Merci, le maire. Au revoir. Ah, monsieur le maire. Allez, cherchez un petit vétérinaire. Ah, bonjour Richard. Comment ça va? Et vous? Et Poupette, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire? Ça va, rien de grave. Ah, bon. Et il faut juste changer de croquette. Ah. Mais c'est gentil de vous en inquiéter. Oh, c'est normal. Bon, je dois filer, j'ai un rendez-vous. Ah, très bien. Au revoir, Richard. Au revoir. Et le bonjour à Poupette, hein? Oui, j'y crois pas. Ah, merci, Manélie, c'est super, ta technique. Attention, à 15h, Mathieu, espace vert, sourd comme un pot. Ah. Alors Mathieu, comment ça se passe ces dégages? Pardon? Non, je disais, couper du bois, tout ça, c'est pas trop difficile? Je ne sais rien, moi, je sais pas. Non, mais parce que moi, je... Crotte, je me suis trompée. Non, lui, c'est Mathieu, le nouveau stagiaire, hyper émotif. Ah, oh, Mathieu, faut pas pleurer comme ça, faut pas... Qu'est-ce que je fais, là? Bah, tiens, voilà, le bon Mathieu. Ah, Mathieu, alors, comment ça se passe ces dégages? Mathieu, hein? Couper du bois, comment ça se passe? C'est pas trop dur? Couper du bois, là. Oui, voilà, couper du bois. Voilà. Désolé pour l'attente. Pas de souci. Mais il était stocké en troisième hauteur dans la réserve, du coup j'ai dû prendre le chariot. Vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps. Ok. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Tiens, tu vois, franchement, on aurait eu le temps, hein. Deux minutes de plus ou de moins... Mais lâche-moi! On ne fera pas l'amour dans la réserve, point. Se priver d'opportunités comme ça, moi je trouve ça dommage. Mais tu dirais quoi, moi, si j'arrivais au collège et que... Hein? Bah, je dirais oui. Excusez-moi. Oui. J'ai vu cette lampe sur Internet, mais je la vois pas en rayon. Ça te va? Ah, je crois qu'on est en rupture sur ce produit. Mais vous êtes sûr, vous n'en avez pas une en réserve? En tout cas, ça coûte rien de vérifier. Je vais voir. Merci. Oui, on va voir. Mais continuez à faire vos courses, hein, tranquillement. Ça risque de prendre un peu de temps.
Monsieur le maire ? Enfin, José, c'est toi le maire maintenant. Oui, ben, ça m'empêche pas d'être poli. Voilà. Je m'y ferai jamais, moi. Bon, allez, hop, au boulot. Au revoir, madame Chalopin, et merci beaucoup. Merci à vous, merci. Au revoir, madame. Au revoir. Alors, on reprend. Oui. Amoxicilline. J'ai 25 boîtes. Ok, Domedril. Ah ben non, ça j'ai pas. Ah bon ? Mais il est où ? Parce que j'en ai commandé pourtant. Ah ben je sais pas, peut-être dans votre trou de balle. Non mais, bon, on est sérieux, mais on s'est déconné. En tout cas, s'il faut aller le chercher dans le trou de balle, Rodolphe, je te laisse y aller, hein, parce que moi, j'ai déjà fait le voyage. C'est très gênant, Camille. Je déconne. C'est beaucoup trop. Fluxipant. 50 boîtes. Le plein, s'il vous plaît. Guéguette ! Ouais. J'arrive. Alpha. Allez. Un, deux, trois. Oh ben, un litre, hein, quand même, déjà. Un litre, je vous en mets un autre ou ça ira comme ça? Bah, le plein, quoi. Ah, le plein. Et ça contient combien, votre machin, là? 55 litres. Ah oui, quand même. Bon, allez, on y va. Une. Peut-être d'aller me boire un café, alors, hein? Oui. Oui, mais écoutez, vous devriez en profiter pour déjeuner. Ouais. Hein? Allez, une. Alors. 2 litres 7. À 5, on fait une pause, hein? Allez. Entrez, vous en prie. Installez-vous. Bien. Bonjour, Guylaine Desmarais. Bonjour, Aïssa Touré. Bonjour, Claude Perrin. Bonjour, Chantal Lebon. Et bonjour, Abdel Achour. Et t'as vu, je sais leur nom par cœur, oui. En revanche, je sais pas du tout pourquoi je les ai convoqués. Non, tu plaisantes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu les remercies d'être venus, je te dis. Hein? Alors, Guylaine Desmarais, Aïssa Touré, Claude Perrin, Chantal Lebon et Abdel Achour, merci. Au revoir. Fin de séance. Au revoir à tous, bonne journée. Alors ça, c'est vraiment notre modèle de perceuse le plus complet. Mandrin autosserrant 13 mm monobag. Réglage du couple en 16 positions. Là, vous êtes tranquille. Prise en main. Il va, nickel. Attends, s'il te plaît. Power light. La direction a convoqué René. Quoi? Oui, il vient de monter dans les bureaux, là. Ils veulent le virer. Mais, t'es sûr? Bien sûr, je suis sûr. C'est Corinne de la compta qui me l'a dit. Elle est en train de lui préparer son solde. Mais c'est dégueulasse. Mais ouais. Après 25 ans de boîte. Il est à 2 ans de la retraite. Bon, alors écoute-moi bien. René, il nous a tout appris. Oui. Alors on peut pas les laisser faire, d'accord? Alors, on débraye. Grève sauvage, tu préviens tout le monde. On va pas le laisser dans la merde. Quoi, tout de suite? Ben oui, tout de suite. On va pas leur envoyer un faire-part. Ben non, bien sûr que non. Excusez-moi. Vous pourriez commencer votre grève surprise... Sauvage. Sauvage, oui. Enfin, d'ici quelques minutes. Juste le temps de finir, parce que... J'ai vraiment besoin de cette perceuse. Bon, grève sauvage dans 10 minutes. On laisse sortir les clients, mais je veux plus voir personne aux caisses et dans les rayons, c'est clair? Ouais. Grève sauvage dans 10 minutes! Alors, évidemment, elle est fournie avec les mèches à bois, métal, béton. Et, en plus, vous avez de la chance, parce que cette semaine, on a une petite promo. Pour l'achat d'une boîte de chemise, vous avez une batterie de remplacement offerte. Raymond,
faut l'excuser, monsieur, mais vous savez, 30 ans de gendarmerie, ça s'oublie pas comme ça. Donc cela, c'est 3 fois par jour, c'est ça? Non, non, je vous ai dit, arrête de jouer avec ça, s'il te plaît. C'est des ampoules, 3 fois par jour, c'est noté. Vous pouvez vous concentrer 2 secondes, s'il vous plaît? Hé, doucement, Philippe, ça va, on parle pas comme ça aux clients. Comment ça, on parle pas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'apprendre mon métier? Non, mais là, c'est vrai, vous m'avez super mal parlé. C'est quoi, alors, c'est quoi le problème? Hein? Ici, tout le monde est pharmacien, c'est ça? Ok, très bien, pas de problème. Alors, vous voulez être servi par cette demoiselle sympathique, bienveillante, qui n'a aucun diplôme de pharmacie et qui peut se gourer dans les ordonnances ou par moi? 25 ans de pharmacie, 8 ans d'études et 5 employés. Par qui voulez-vous être pris en charge? Prenez le ronchon, madame, c'est quand même plus sûr. Hein. Oui, bah, j'ai pas le choix. Je suis pas ronchon. Je suis pas ronchon. Bon, je vais peut-être vous expliquer un peu plus calmement les choses. Je vais vous faire un dessin et même un schéma. Donc, 3 prises. Le matin, le midi, le soir. Il y a 3 repas. Ça te coûte quoi t'en coller un là? Oui, vas-y, prends-le, allez, prenez-le! C'est pas la solution! Mais c'est toujours pareil avec vous, on vous connaît les mecs de la quincaillerie de toute façon. Quoi les mecs de la quincaillerie? Ouais, quoi les mecs de la quincaillerie? C'est quoi les mecs de la quincaillerie? Vous êtes la bande de petits chuchous des patrons. Quoi, bah c'est la ça bande quoi de petits chuchous des patrons! Qu'est-ce qui vous arrive là? Mais c'est eux là! C'est ça l'image que vous voulez renvoyer au patron? Mais vous voyez pas que c'est ça qu'ils veulent? Vous divisez! Alors, d'accord, vous venez pas des mêmes rayons. Oui, tu vends des vis, toi, des perceuses. Mais n'avez-vous pas tous besoin des uns des autres? Après tout, c'est quoi une vis sans boulon? Que deviendrait le clou sans une planche de bois fixée? Un solitaire sans but, destiné à rouiller au fond de sa boîte? Non! C'est pas ça le bricolage! Le bricolage, c'est l'harmonie! C'est la symbiose parfaite entre l'outillage, la quincaillerie, la matière première, tous réunis pour construire un monde meilleur. Vive Bricoflex! C'est mon mec! Super, allez, allez, ensemble ouais. Hein? Force unitaire! On est qu'un... Force ouais. Unitaire! Force unitaire! Force unitaire! Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Bon, c'est bon, là? Hein? Oui, oui. Entrez, je vous en prie, entrez. Non. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'avais un petit truc à régler. Mm. C'est quoi? Oui, merci. Ah, oui. Oh. Ah. Oh là là, la batoukada, là, mais j'adore, c'est chiant, Max. La batoukada. Oh, quoi? C'est quand même incroyable que t'aimes pas cette ambiance, hein. Je déteste. Mais t'as jamais joué? Mais jamais de la vie. Mais même avec ton groupe, le Phil Paxton... Le Phil Paxton Band, mais non. La fête de la musique, c'est pas pour les vrais musiciens, c'est pour les gens qui se prennent pour des vrais musiciens. Bon, arrête, y en a des bons quand même. Si t'es bon, t'as pas besoin de jouer pieds nus sur un trottoir à côté d'une enceinte qui crache de la techno, crois-moi. Mais il faut pas prendre les choses comme ça, mon doudou. Mais c'est vrai, la fête de la musique, tu vois, c'est un partage. C'est... Mais regarde, c'est la fête, c'est l'arrivée de l'été, c'est génial. C'est pas Bibi, là, ton contrebassiste? Oui, ouais, c'est Bibi, oui. Ouais, c'est... Et Bibi, y a aussi Fred, là, ton, oui, ton guitariste. Le guitariste, oui. Il y a ton batteur aussi, il est avec son tambour, regarde. Oui, oui, c'est pas un tambour. Ça s'appelle une grosse caisse d'abord, oui, ils sont là. Moi, je vois, j'ai des yeux, je les vois. Non, oui. Alors, pardon, tu dois être tellement déçu. Oh mon amour, mais pas du tout. Je déteste la fête de la musique. J'exacre la fête de la musique.
Moi, je bosse ce soir, moi, monsieur. Oui. Je suis pas un saltimbanque, non. Voilà. Calme-toi, enfin, c'est pas grave. T'as le droit d'être déçu parce que le Phil Paxton Band joue sans Phil Paxton sur un trottoir, pieds nus, dans un événement d'amateur. Mais pas du tout. Pas du tout. Bon, allez, je rentre. Moi, ce soir, je vends du nandranol. Oui. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas là, Mme Françoise? Ah non, elle n'est pas là, Mme Françoise. C'est nous qui la remplaçons. Pourquoi? Ah bon? Non, mais c'était pour savoir si elle avait bien reçu mon CV. Parce que je voulais travailler ici cet été, en fait. Mais bon, visiblement, la place, elle est déjà prise. Ah bah oui. Désolée. Oh putain. Je comprends pas, je l'ai envoyé super tôt, pourtant. Vous l'avez envoyé quand, vous? Oh bah nous, on n'a pas postulé. Françoise, c'est ma sœur. Ah ouais, pistonnage, quoi. Non, excusez-moi, mon petit bonhomme, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour bosser, nous. Non, mais c'est pas contre vous, hein, j'aurais fait pareil. De toute façon, aujourd'hui, si t'as pas de réseau, tu fais rien, donc... Dis-donc, pourquoi t'essaies pas du côté de la boulangère au centre-ville? Je crois qu'elle a pas de frangine. Ah ouais? Ouais, ouais, je vais faire ça, alors. Ouais, je fais donc ça. Merci pour le plan, c'est cool. Hein. Je t'en prie. Eh, vous me dites hein, si vous quittez le poste. Pareil, moi, si j'entends parler d'un truc, je vous dirai. Non, parce que déjà que c'est galère, si en plus on se serre les pattes entre nous, franchement, ah bah oui. C'est pas cool, quoi. C'est ça. Il est bien le monde, là. Bon. Merci. Bah, je vais voir la boulangère. Allez, à la boulangère. Allez, salut. Bonne chance. Merde, mon petit gars. Ouais. Salut. Dis donc, c'est drôlement tendu, le marché du travail, en ce moment. Hein. Mes amis, parmi les nombreuses missions hein, qui incombent à un maire, hein, celle de célébrer un mariage est de loin la plus agréable pour moi. Car enfin, célébrer un mariage, c'est célébrer le bonheur, c'est célébrer l'amour. Un amour que je partage depuis 30 ans avec celle qui est mon phare dans la nuit, ma rose de chaque matin. Celle qui est à la fois mon amie, ma sœur, mon amante, mon âme-sœur. Liliane. Ma Lily. Vous savez que moi, sans elle, je me sentirais vide, hein, incomplet, quoi. C'est marrant parce que quand je pense à elle, il suffit que j'y pense pour que, aussitôt, naisse en moi une sorte de sourire. Ma Lily. Oh, mon José, mais moi aussi, je t'aime. Non, mais c'est je moi qui t'aime. Non, c'est moi. Non, moi, je t'aime. Je t'aime plus. Ah oui, pardon. Désolée. Pardon, excusez-moi. Bien. Donc, Alexandre, Stéphanie, nous allons procéder à l'échange des consentements. Levez-vous. Alexandre, voulez-vous prendre? Oui, oui, je le veux, je le veux. Toi. Oh oui. Les pirates. Tu fais quoi là? Eh ben les sandwichs. Mais elles sont où les merguez? Elle est où la moutarde? Ah ouais, non, moi je fais des clubs poulet crudité. C'est plus sympa, ça change, c'est plus digeste. Mais tu veux casser le mouvement, c'est ça? Hein? S'il y a des journalistes qui arrivent, on va avoir l'air de quoi nous avec nos petits sandwichs crudité là? Mais fais du thé vert aussi, hein, tant que tu y es. V'là la grève de bobo, quoi. La grève, c'est la merguez. La merguez, c'est le peuple. C'est simple, rustique, piquant. Ok. Je savais pas, moi. Bon, bah, je retourne acheter des merguez, ah, alors. Bah, dépêche-toi. Hé, hey, tu vas pas chez le boucher, hein. Au discount. Oh. Ouais, bah, je te connais. Ah, j'étais sûr, tu vois. Oh. Au discount, s'il te plaît. Juju. Vas-y, tu me dégages tout ça, là. Ah, il a fait des radis. On est sur des radis, quoi. C'est la honte. Désolée. La randonne. Allez. C'est long, hein? Ça fait 10 minutes que j'attends ma monnaie, là. 10 minutes. Oui, bah c'est bon, je finis mon rang, je suis à vous. Moi, je suis arrivé, j'avais 25 ans. Je lui dois 50 francs de super. Non, sérieusement, moi, si j'étais vous, je laisserais tomber. Vous rigolez, je vais pas m'asseoir sur 5 euros parce qu'il y a tricote quand même, là, faut pas... 5 euros, 40 ou 50 minutes d'attente, c'est vous qui voyez quand même, hein?
Mais vous, là, vous pouvez pas me la rendre, vous, la monnaie, là? Tu touches à ma caisse, je t'enfonce mes aiguilles dans les gencives. Non, soyez raisonnable, madame. Laissez-la finir son rang. Ouais. Je vous laisse. Désinfectant. Désinfectant. Coton. Coton. Excusez-le, hein, il aurait voulu être chirurgien, je crois. Oui, je vois, oui. Pansement. Ah. Alors, classique ou fantaisie? Classique. Gardez vos forces. Pansement classique. Classique. Rodolphe. Ça coule. Je vous dis, j'ai 12 acteurs, j'ai 4 décors, les musiques d'Elton John, et je retrace toute la vie de Lady Di, et je te monte le tout pour 18 000 euros. Enfin, franchement, moi, évidemment, j'ai besoin de la subvention de la mairie. Non, Liliane. Je ne peux pas demander au conseil municipal de faire subventionner la comédie musicale de ma femme. Il y a conflit d'intérêts. José, elle est très importante pour moi, cette comédie musicale sur Lady Di. Mais je peux aller en prison. Moi, je ne peux pas subventionner ma femme. Mais ta femme, on n'a qu'à divorcer si c'est ça le problème. Hein? Non, mais évidemment qu'on se remettra ensemble dès que mon spectacle sera monté. Tu veux divorcer? Tu préfères aller en prison? Non. Voilà. Bon, allez, j'appelle mon avocat. Oh, attends. On va revoir les... Oui. Les chiffres. Oui, moi, de mon côté, je peux voir si je peux faire une petite économie. Ah. Papa. Alors, t'as besoin de... Ah oui. Ah, bon, là. Excusez-moi, monsieur, je suis désolé, mais vous pouvez pas rentrer. Hein. Le magasin est bloqué en raison d'un mouvement social, là. Ah, mince. Ouais, c'est comme ça. Ah, c'est vraiment pas de chance. Je suis désolé, fiston. Mais je sais que tu rêvais de cette cabane dans les arbres. Mais sans outils, notre bel après-midi père-fils s'envole. Je sais que t'es déçu. Mais c'est la vie. Et la vie, parfois, c'est injuste. Hein? Non, mais c'est bon, allez-y, là. Et votre mouvement social? Mais on s'en fout du mouvement social, la cabane du môme, là! Bon, allez, rentrez vite, là! Hein? Tu changes de poste. Quoi? Mais non, attends, tu je peux le faire! Tu changes de poste! Mais je te jure, je peux le faire! C'est juste que là, c'était un peu... bon... Oh, putain... Non, mais t'as raison, je suis pas prêt. Je vais retourner au sandwich, je veux pas voir ça, là. Juju, ma biche! Ouais. Là. Mais là, il n'y a rien qui passe. T'inquiète. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Vous? Mouvement social, ça rentre pas. J'ai une petite chose à prendre. Alors, tu ne fais pas ta misquine, hein? Puis le coup de la canne, là, c'est bon, on l'a déjà fait. Non, file. Mouvement social, c'est écrit partout. Alors, accompagne madame. Salut, Sylvie. Eh ben... Pneu lisse, rétroviseur latéral gauche brisé, les feux arrière, j'en parle même pas. Il y a un impact sur le pare-brise, regarde. Ah oui. Hein? Voyez-vous, j'ai fait toute ma carrière dans la gendarmerie. Jamais je vous aurais laissé partir avec une bagnole dans cet état, moi. Et? Et je suis plus gendarme. Alors vous pouvez circuler, quoi. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Déclare la séance ouverte. Alors pour commencer, nous allons faire un vote pour le budget exceptionnel, hein, pour un projet de comédie musicale sur Lady Di, initié par notre chargée de mission culturelle, Liliane. Qui vote pour?
Bon, je suppose que personne ne s'abstient. Qui vote contre? Bon, Lilian, qu'est-ce que t'as foutu? Tu nous as tout déréglé, là? Rien, c'est sûr! Ouais. Qui est un canard? Je leur ai peut-être mis un peu trop la pression, mais bon. Tu sors. Bah. Tu sors. Et pour mon budget exceptionnel. Tu sors. Bon, écoutez, maintenant Liliane est partie, hein, vous pouvez vous détendre. Hein. Bon, je vais quand même pas vous demander si vous êtes une belette. Bon, fin de la séance. Oh, dehors, allez, tout le monde dehors. Allez, hop, 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 hop. Allez, tout le monde dehors. Nous demandons la réintégration immédiate de René, employé modèle de Bricoflex depuis de nombreuses années. Ouais. Nous considérons son licenciement comme abusif et arbitraire et nous ne l'accepterons pas. Ouais. Non, non. Ah oui, non, non, non. Et ne reprendront pas le travail tant que l'équipe dirigeante ne sera pas revenue sur sa décision. Quant à moi, qui n'a rien à voir avec Bricoflex, je tiens à préciser à l'administration du collège Albert Camus que je ne suis ici que par solidarité. Et j'assurerai mes cours demain matin comme prévu. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mes élèves. Karim, Sophia, Alex, Manu, Clémence, enfin j'en passe quoi. D'ailleurs, n'oubliez pas... Demain matin, contrôle de géo. Et je ne vous dis rien, mais je serai vous, je ne serai pas la base sur la politique d'agriculture commune. Ou pas. Ah putain, non, mais j'en parle. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, le rouge, là, parce qu'on voit bien. Il y a rouge, vert, c'est très bien. La caisse. Et ça saute. Quoi? J'ai dit la caisse et que ça saute. Allez, foutez-moi tout là-dedans. Attends, écoutez-moi, je veux bien, hein, monsieur. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même que dalle. Oh, Raymond. Lui-même. Raymond de la gendarmerie à Montargis, 1979. Oh putain, c'est pas vrai. Je ne le crois pas. Oh, c'est pas vrai. Ah, Charlie les bretelles. Ah. Oh mon Dieu. Oh, si je m'attendais. Oh. Ah. Enchanté. Je manque à tout, mais... Huguette, ma bourgeoise, Charlie... Madame... dont je t'ai parlé... Vous savez que c'est votre mari qui m'a fait tomber en 1980. J'en ai pris 5 ans. Oui. Qu'est-ce que Dieu devient? C'est fini la maison pour la gueule. Oh, bah, tu parles, ça fait 15 ans que je suis à la retraite, là, enfin, un petit remplacement comme ça. Et toi? Bah, pas grand-chose, je bricole. Ah oui. Ça fait plaisir quand même. Oh, hein. Tu m'étonnes, si je m'attendais à ça, putain. Vraiment, qu'est-ce que je fais? J'appelle les... Bah, bien sûr. Mais en les attendant, l'apéro, mon pote. Non, mais c'est moi qui paye, tu me connais. Tu me vexerais. Merci, mais non, c'est quand même... Oui ou non, tu les appelles, oui. Ouais, j'annule, hein. Non. J'ai un pastis, tu peux pas savoir. C'est fait maison. Bon, mais alors vite. Oui, vite. Oui, bah, on verra plus tard. Hein, merci. Hop. Viens voir là, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est hip-hop. T'as pourquoi les oreilles de lapin? Parce que ici, c'est un lapin. Là. Bah, pourquoi? Retourne-toi. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le fronton de ta mairie? Interdit aux chiens. Il y a écrit quelque chose sur les lapins? Non. Voilà. Allez, bonne journée. Pardon, bonjour. Je ne sais pas, moi, je ne sais plus. De toute façon, j'ai jamais su. C'est pas la peine. Dani, tu me sors des merguez et des chipots, là, s'il te plaît. Elles sont bien, là, elles sont bien. Bon. Sérieux, elle est où la moutarde, les gars? C'est pas marrant. Elle est sous ton nez, là. Je crois que c'est dans la mayo. Bon, Julie, ma biche. Ouais. Dis à Francis de ramener des baguettes et du charbon de bois, on va être vraiment short, là. Ouais. Ok? Eh, vous faites quoi, là? C'est devenu une buvette, votre mouvement, là. Quel mouvement? Eh ben, la défense de l'emploi de René. Ah, oui. René, ah, pff, ouais, ah. Ouais, enfin, tu vois là que c'est pas le moment, là, c'est le coup de feu, mon chat.
Tu me rappelles plus tard. On est là plus jeune. Bon, il est où mon torchon? Juju. Bon, Juju, je me suis chaud. Allez, ça bon, mais pour deux cases d'ailes, il y a une canette offerte ou un petit kawa au choix. Ok? Non, pas de non, pas de canette. Ah non, mais c'est de la folie, mon doudou. Il y en a partout des bouffes. Ah non, mais cette année, c'est. Tu devrais vraiment aller faire un tour, hein. C'est ça, et puis quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Ça va, mec? Elle est cool, ta pharma, hein? Oui, elle est cool, mais qu'est-ce qu'il fout, ce con, là? Et calme-toi, c'est Fafa, ça, c'est un membre de Ganja Slide and Smoke. Quoi? Tant du mou! C'est un groupe de reggae qui est genre là, quoi. Et en fait, je lui ai proposé de brancher son matos à la pharma. Hein? Bah oui, vu qu'on reste ouvert toute la nuit. Mais enfin, arrêtez de dire pharma, on dit une pharmacie, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Mais ils vont pas jouer devant, quand même. Il va se brancher chez moi, ça veut dire qu'à chaque fois que la porte s'ouvre, on va les entendre jouer. Donne du mou! Tu vas faire, mais. Arrête, tu te calmes, regarde là. Grâce au cap qui passe, et bah la porte, elle reste ouverte. Non, mais c'est pas possible, putain, mais c'est. J'en peux plus, moi, cette fête de la musique là. Non. Oh, c'est pas pratique, mais ça ira. Oui. Merci. Oui, mais moi, ce que je fais. Yeah! Il est cool, ton mec. T'inquiète. Mais... cool. Aïe! Mais je suis pas cool, ça fait mal. Et voilà, monsieur, 50. Merci. Je pourrais avoir un jeton pour le carwash? Ah, mais bien sûr, c'est 10 euros. 10 euros? Mademoiselle, carwash, s'il vous plaît. Voilà, voilà, j'arrive. Oh, beau bras. Alors, on me suit jusqu'au garage? Vous allez vous régaler, petit vénard. Non, mais laissez tomber. Hein? N'allez pas si sale que ça, finalement. Merci. Et vos 10 euros? Non, pas grave. Bonne journée! Je sais pas pourquoi ça prend pas, dis. Oh, cherche pas, Iguéguette, cherche pas! C'est ta banane! Ah, tu crois? Ça fait vulgaire! Merci, Ludo, c'est pas... Bien! Tout le monde est là? Alors, si je vous ai réunis ici, c'est parce que nous devons faire face à un problème d'une gravité exceptionnelle. Sans précédent! Il y en a un ou une d'entre vous qui a trouvé très intelligent, mais très intelligent, d'écrire quelque chose de pas poli sur Lady Di dans les WC de la mairie. Oui, il y a même un dessin de Zizi. C'est honteux! Honteux! Alors voilà, soit le coupable se désigne, soit vous êtes tous exclus de la comédie musicale Lady Di. J'attends. D'accord, c'est une mutinerie. Bien. Écoutez, vous ne me laissez pas le choix. Alors, analyse graphologique pour tout le monde. Vous allez vous dessiner un zizi. Faites passer. Je veux voir un zizi. Vous avez 5 minutes. Allez, des zizi. On se dépêche. Bon, alors maintenant que je suis votre porte-parole, je vous préviens. Interdiction d'utiliser la force. De détruire quoi que ce soit, de violenter qui que ce soit, de résister à la police ou de tenter de séquestrer un représentant patronal, c'est clair? On n'avait pas un autre mec pour faire le porte-parole, hein? Si, c'est Jean-Pierre. Ah oui, voilà. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Non mais Emma. Pardon, il n'y a rien de personnel. J'y vais. Ah, j'ai merdé sur un truc là. C'est qui JP là? Hey. Au revoir. Merci. Au revoir et merci encore. Qu'est-ce qui nous arrive, Huguette? Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai l'impression qu'on n'est pas nous-mêmes. Oh, c'est vrai, je comprends pas ce qui se passe. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Ah, très bonne lecture. 15-40. S'il vous plaît. Et la bonne journée. Merci. Ils nous font 20. Au revoir. Oui, au revoir. Prudence. Amour. Oui. J'ai compris. Quoi? C'est la caisse. Oh putain. Bah oui, ça nous perturbe. Tu crois qu'on serait possédé? Bah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça. Faut résister, Miguel. Faut résister.
Le prochain, je me le fais, je te dis. Bonjour. Oh, c'est bonjour, monsieur. La 2. 45,75 €, monsieur. Merci. Tout s'est bien passé, monsieur? Oui, merci. Pardon, 45. Bonne route. Oui. Et prudence sur la route. Oh, oui. Petit écart, grosse conséquence. Oh, oui. Oh, monsieur. Je me dégoûte. J'ai honte. Mais j'ai honte, alors là. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous? Chamard. José. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Le dossier sur l'urbanisme. C'est pas trop tôt. Je suis dans les temps. C'est vrai. Oh, écoutez, vous voulez pas enterrer l'âge de guerre tous les deux, là? Après tout ce qu'il m'a fait, toutes ces années, plutôt crever. Plutôt crever. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce qu'il a mis faux poudre? Ah, ça. Oui, en fait, vous vous souvenez plus, quoi? Non, c'est vrai, je ne sais pas. Bah, je ne sais plus, mais en tout cas, ça devait être grave. Oh oui, très grave. Si José... Monsieur le maire. Mais non, c'est le verbe oser, si j'ose... Ah ouais. C'est marrant. Tu t'en sais quoi? Bon, mieux pas. Madame Liliane. Monsieur Chamard. Monsieur le maire. Méfie-toi, Chamard, quand tu vas rentrer dans ton bureau. Pourquoi? Il y a peut-être un petit zizi. C'est ça? Un petit zizi. Au revoir et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Oui, bonne soirée. Alors? Bah, je trouve rien. Enfin, c'est pas possible, il a bien un compte Instagram, je sais pas quoi, un Facebook, un mail, n'importe quoi, je te jure qu'il va m'entendre. Il va m'entendre. Doudou, tu te calmes un peu, il y est pour rien, Jacques Lang. Ah, il y est pour rien? Et c'est pas lui qui a créé la fête de la musique? Hein? Tu crois qu'il a fait ça pour l'amour des belles notes? Tu crois qu'il a pas fait ça pour foutre la merde dans le centre-ville et pour faire chier les petits commerçants bourgeois capitalistes de garde? Écoute, si tu veux, j'ai le ministère de la Culture. Ça se tente. Non mais... Allez, j'appelle. Non, arrête, Doudou. Vas-y, donne le numéro. C'est fermé, sur la série ridicule. 01. Oui. 43. Ah non, ça c'est le diminutif de Lady Di. Je comprends rien. José... Oui? Monsieur le maire, il y a Fouchard qui demande à vous voir. Je le fais entrer ou je fais un peu patienter? À votre avis? Je le fais rentrer. Ah, c'est très bien, ma petite Brigitte. Il vous attend. Madame Liliane. Bonjour. Monsieur le maire, je voulais vous voir à propos de l'aménagement des berges du Varron. On lance directement les travaux ou on fait une concertation préalable avec les riverains? À votre avis? La concertation préalable? Bah, évidemment. Merci, Fouchard. Merci, monsieur le maire. Liliane. Quelle assurance, hein? J'en reviens pas. C'est une méthode infaillible. Tu sais, quand on te pose une question puis que t'as pas la réponse, bon, tu laisses décider les autres, alors faisant croire que c'est exactement ce que tu veux. Ah bon? Oh, tu crois que ça va marcher longtemps, ta méthode infaillible? À ton avis? Mais... Oh, l'assurance! Dis donc! Ça te donne pas envie de... À ton avis? Tenez. Merci, monsieur. Je peux avoir une fiche? Bougez pas, je vais la chercher. Merci. Derrière la boutique. Quoi derrière la boutique? Derrière la boutique, il y a un arbre. Vous l'attachez, puis nous on se démerde pour s'en débarrasser. Allez-y, je vous couvre. Mais ça va pas, j'ai pas l'intention de me débarrasser de mon chien. Vous êtes sûr? On dit ça, puis une fois arrivé en vacances, on regrette. Évidemment que j'ai pas envie de me débarrasser de mon chien. Non mais il t'arrête, celui-là. Il plaisante, oui, mais il plaisante. Ah voilà, va rendre service aux gens, tu sais. Il a même pas tendu sa fiche. Tenez. Derrière la boutique. Quoi derrière la boutique? Il y a un arbre. Mais
attend. On a déjà fait 15 000 des banderoles, là. On n'en a pas fait 15 000. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Vos amis m'ont dit, là, pour votre collègue qui a été licencié. Ouais. Bah, je voulais vous dire que moi, je vous soutiens totalement. Je trouve ça dégueulasse. Ah, oh, c'est gentil, ça, monsieur. On va se battre. Surtout quand on voit les merdes qui vont d'ici. Pardon? Oui, moi, je vois, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une tondeuse pour mon jardin. Parce que j'ai un jardin. Oui. Et ben, 3 jours après, plus de tondeuse. D'accord. Bah, faut voir ce que les clients font avec les produits, aussi. Moi, je les connais un petit peu, les clients comme vous. On est tout excités, on veut essayer tout de suite. On lit pas les notices. Et après, si, on lit pas les notices. Et après, ça va implorer au service après-vente. C'est un peu facile, ça. Pas du tout. J'avais très bien lu la notice. Et c'est juste que le produit était complètement pourri. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? C'est calme, surtout. Non, mais je vais pas laisser ce blaireau raconter n'importe quoi. Alors, déjà, c'était quoi le modèle de ta tondeuse? Bah, c'était une. Je sais plus. Voilà. C'était une. Je sais plus. Eh, bah, si tu sais pas, t'achètes pas, abruti. Je vais vous raccompagner votre véhicule. Et vous savez que si tous vos collègues sont comme vous, bah, moi, je trouve ça plutôt bien qu'ils viennent, les mecs, tiens. Attends, je vais me le faire. Vas-y, tu dégages. Non, mais elle est active, sérieux. Vous êtes où? Là. Oui, bah, on va faire le tour. Ah bon? Oui. Non, mais l'archétype du facho, quoi. Nous? Mais non, pas vous, lui, là. Il y a des victimes? Apparemment, l'incendie n'a fait que des dégâts matériels. Ah, bon. Bon, José! Il y a urgence, là! Enfin, le maire est attendu! Voilà. Oh. Bonjour, Bouchard. Fouchard. Oui, aussi, oui. Mais pourquoi tu es en pyjama, toi? Ah, ça, c'est un truc des politiques américains. Dès qu'il y a une catastrophe, les gars, ils déboulent en pyjama. Tu vois, genre, super concerné, pas le temps de s'habiller, tout ça. Mm-hmm. Il est 19h, José, tu vois? Merde. Mais oui. Bon, bah, je vais m'habiller. Non, non, on n'a pas le temps, Fouchard. Allez, hop, vous m'emmenez. Mais je vais pas y aller comme ça. Mais si, ça sera américain. Allez, ah hop, bon. Allez, Fouchard, vous m'emmenez. Jim. Ah, ma guinguette. Regarde ça. Oh. Tu vois, une station-service, c'est comme une oasis dans le désert. Tu roules. Et puis, d'un seul coup... La fatigue te gagne. Et puis tu vois avec angoisse la jauge qui baisse. La nuit commence à tomber. Oh! Et d'un seul coup, elle est là, elle apparaît! Avec ses lumières chatoyantes, accueillantes, bienveillantes. Ben, qu'est-ce que tu fous? Moi, je suis allé péter le néon. Comme ça, on sera pas emmerdé. Tu sais que t'as bien fait, ma poule. Allez, on trinque. Ah, la tienne. Non, mais... C'est calme, hein. Excuse, mec. C'est ici, la queue pour les choses? Ah, les choses, je crois pas. Non. Mais t'es sûr, il y a un mec qui en mange là-bas, là, regarde. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Oh, excuse-moi. Camille? Ouais? Tu peux venir voir, s'il te plaît, il y a madame qui me dit que tu fais des churros. Ouais. Hey, ça va, mon toto? Salut, ça fait plaisir. Combien je t'en mets? Une portion, juste pour WAM. Ok, ça marche, je te fais ça tout de suite. Non, mais dans quoi tu les fais frire? Dans une friteuse. Oui, voilà, donc elle a une friteuse, d'accord. Non, parce qu'il y a peu de temps ici, c'était encore une pharmacie, voilà. Hey, Cam, tu me mets 3 pintes? Ah, ça marche, mon toto. 3 roteuses, 3. Et Blondie, je t'en mets une. Deux. Et 2 autres roteuses. Bon, bah, c'est bien. Bah, je vais prendre un peu de décontracteur, moi. Bien. Alexandra, Emmanuel, nous allons procéder à l'échange des consentements. Bien. Emmanuel, voulez-vous prendre pour épouse? Bon, Liliane, tu permets, je suis en train de... Je peux terminer, oui? Désolée, pardon, excusez-moi, c'est juste que... Comme on a un fils qui s'appelle Emmanuel, voire José, Marie, un Emmanuel, mais pardon. Bon, très bien, comme ça, tout le monde est au courant. Bon, alors... Emmanuel. Oh, Emmanuel, voulez-vous vous prendre pour épouse Alexandra? Faites vite, parce que là, sinon on va jamais s'en sortir. Oui. Oui, très bien. Bon, Alexandra, faites vite aussi. Alors, dites oui. Oui, elle a dit oui, c'est très bien. Bon, alors, donc vous êtes mari et femme. Voilà. Bon, allez, embrassez-vous. Oh, mon mari, c'est... Oh, écoute, Lilia, ça suffit maintenant, quoi? Je suis en train de faire un mariage, merde, alors, quoi? Bon, allez, photo maintenant, photo, allez, hop, hop, hop. Oh, mon Dieu, c'est mon fils, hein.
alliances. Merde! Il est beau votre SUV, hein? C'est pas un SUV, c'est une berline. Ah. C'est du diesel dans votre SUV? Ouais, ouais, diesel, ouais. Et c'est pas un SUV, c'est un break. Ah. Ah, Léon, il est énorme à votre SUV. Mais c'est pas un SUV, ça, c'est une camionnette. Il doit dépoter, hein, votre SUV. SUV? Ouais. C'est une moto? Ouais, c'est une moto. Alors? Non plus. Ah. Oh. On ne saura jamais ce que c'est un SUV. Bah écoutez, et si on demandait? C'est ça, pour avoir l'air d'un con. J'ai ma fierté, Huguette. J'ai ma fierté. Alors? Nul. J'ai été, mais nul. Hein? Un bulot, il aurait mieux négocié que moi. Enfin, tu les as fait fléchir sur un truc ou deux, mais moi. Mais rien, je te dis, rien. Ils m'ont répondu, il n'y a pas de sujet. J'ai dit que de la merde, je me suis aplatie comme une crêpe. Même à un moment donné, j'ai dit, pourquoi pas. Oh, la syndicaliste en carton. Tu m'étonnes. Eh, si ça avait été moi en 36, les congés payés, putain, on n'en aurait pas. Ça pour gueuler et bouffer des merguez, il y a du monde, hein. Par contre, pour obtenir des trucs, il n'y a plus personne à bord. À ce compte-là, j'aurais dû y aller, moi. Mais, même toi, ça aurait été meilleur, je te jure. Alors? Ça s'est passé comment? Ah, bah... Pas... Ah, moche. Bah, pas facile. Putain, mais t'as chialé. Ah ouais, bah attends, ils sont impitoyables, hein. C'est des requins de capitalistes, faut pas l'oublier. Ça. Les enfoirés. Bon, on a perdu une bataille, ça c'est sûr. On n'a pas perdu la guerre. Alors on se remobilise, et pour René, on va rien lâcher et on va se les faire. Voilà. Ok? Pour René, on va rien lâcher. Pour René, on va rien lâcher. Allez, on va rien lâcher. Allez, les gars. Ta meuf, c'est la Jeanne d'Arc de Bricoflex. Tu m'entends? Ah, ah, la ville, venez, tenez. J'en fais quoi, moi? Oh, je sais pas, je m'en fous, moi j'en peux plus, hein. Oh, quoi encore? Non, mais pardon, mais parce que là, c'est vraiment important. Venez. Tu connais Gérard? Oui, Gérard, ouais, bonjour Gérard Proton, ça voilà, va, voilà, monsieur voilà. Le maire. Attends, ben, José, bon, alors attention, regardez-le. C'est qui? Hein? Franchement? Bah, tu vois qui, là? Bon, Gérard, tenez-vous droit, voilà, soyez noble, soyez fier, voilà, hein? Il est pas bon? Oui. Mais non, enfin, écoute, cette vacuité dans le regard, c'est celle des Windsor! Mais cette raideur dans le maintien, ce flègue, hein, comme ça. Bon, d'accord, pardon, hein. Pardon, Gérard. Voilà, attention, tu vois qui, là? Tu vois pas le prince Charles? Ah, oui, oui, oh, le bah, écoute, Charles, oui. Bah, quand même, enfin. Il a tout, il est le rôle, c'est lui, c'est extraordinaire. Là, c'est un miracle, parce que moi, j'y croyais plus, hein, tu te rends compte? Merci, Gérard, merci d'être là, merci d'exister, c'est extraordinaire, je suis tellement contente. Bon, tu t'occupes de me mettre en dispo, hein, 3 semaines pour les répètes, voilà. Et puis vous, bah, rendez-vous demain matin à 9h à la salle des fêtes, d'accord? Bon, allez, moi, je file, hein, je continue mon travail. Merci, bon, hein. C'est bien, pourtant, vous êtes contents, c'est bien. Non, je suis à la voirie, quoi, bah, artiste, hein. Pas lui dire. Bon, écoutez, Ponton, hein, ça suffit comme ça. Moi, elle m'a fait mère, j'en ai pris pour 6 ans, d'accord? 6 ans. Vous, elle vous fait pas cher, vous en avez pour 3 semaines, vous n'allez pas m'emmerder avec ça, non? Ça va, débrouillez-vous avec tout ça, hein. Oh, j'en peux plus. Et voilà. C'est fini, ma guéguette. C'est la fin de cette belle aventure, de cette parenthèse enchantée. Ce moment magique où on s'est senti utile, impliqué, vivant, quoi. Adieu, pompe à essence, aux relents en tétan. Et toi, le pauvre gonfle-pneu,
taquine, elle a jamais fonctionné. Adieu, boutique, aux gourmandises enchantées. Il est temps pour nous de retourner à notre petite vie, faite de routine, de canapé et d'ennui. Raymond, ferme pas. J'entends là, Raymond. Oui. Ah. Raymond. Oui, t'as de la chance, toi. Tu vas en profiter encore. Raymond, si tu fermes, je te jure que ça va mal se passer. Raymond. Profites-en pour nous, ma poule. Mais non, là, tu vas voir de quoi je suis capable, espèce d'enfoiré. Raymond. Non, c'est pas tout ça. Moi, j'aime pas conduire la nuit. Hein. Alors, les amis, écoutez, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. On est là pour toi, René. Et ça fait quand même 40 ans que je bosse. Et tu fais du bon boulot, on peut te le dire. Mais alors j'ai des petits-enfants, vous savez, et j'aimerais en profiter. Et t'as bien raison. J'aimerais aussi voyager avec ma femme. Crois-moi, il n'y a rien de plus beau que les voyages, René. Alors bon, écoutez, je vous remercie de tout mon cœur et je suis sûr que je n'oublierai jamais ça. Mais maintenant, il faut être sérieux, il faut laisser tomber. Hein. Allez, René, allez. Vous comprenez ce qu'il vous dit là ou pas? Je l'adore ce mec. Non mais Emma, il veut que tout s'arrête là, il veut partir en pré-retraite, René. Et il a raison, faut profiter de la vie. Alors crois-moi, on va rien lâcher. Ouais, merci René, c'est super. Ouais, ouais. Le moins cher, c'est le pastille pour la gorge. Hein. C'est 1,30€. Et sinon, vous avez ceci qui est formidable aussi. C'est 2 petits euros de plus. Je prends des pastilles. Alors, chaud devant. Attention. On a donc deux menus hot dog frites. Les binous, c'est fait. Les churros, c'est pour la maison. Et alors, ça fait 10€ avec les pastilles pour la gorge. Ça nous fait 11,30€. Stop. Si on a un contrôle, là, je suis mort, moi. Oh, mais ça va, t'inquiète. Merci. Puis les sauces, t'as samouraï ketchup mayo. Oui. Super. Merci. Ciao. Au revoir. T'inquiète pas, mon doudou. Non, mais au pire, sur les notices, ils disent toujours qu'il faut prendre les médocs pendant les repas. Ah. On est bêtants. Oui. 4 merguez et 2 chipots, s'il te plaît. Mm-hmm. Et des pastilles. Je te mets le supplément churros. Ouais, total. Et frites. La totale. Wouh. Mon Roro, tu me mets 4 chipots. 4 merguez et 2 chipots, excuse. Hein. Oh putain, je suis pas serein. Bon. Alors, pour la signalisation en centre-ville, c'est réglé. C'est très bien, c'est parfait. On a toutes les autorisations. C'est parfait, c'est très bien. Ouais. Bon, sinon, pour les travaux de la crèche, ça avance. Ah, alors, merci José. Vous m'entendez? Alors, normalement, d'ici 10 jours, on devrait recevoir tous les devis. Ah! Faut sortir! Sortez! Sortez tous là! Sortez tous! Sortez! 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 Sortez. José, c'est la sonnerie du premier mercredi du mois. Mais on s'en fout! Sortez! Sortez tous! Tout le monde dehors! Tout le monde dehors! Ah, ça fait de l'effet, la sirène. Oh, la ferme, la ferme. Ma Lily. Désolé. Tu peux être désolé. 3 kilomètres à pied, chargés comme des mules à cause de toi. Oh, t'as de la chance d'être encore en vie. Je sais, pardon, ma guéguette, pardon. Oh, t'as fait des pleins pendant 15 jours. Des pleins. Comment t'as pu oublier de faire le nôtre? Comment on est tombé en panne d'essence? Oui, non, mais je sais. Mais ça y est, c'est fini. On est arrivé chez nous. Monsieur. Je vais te faire couler un bain, ça va te détendre. Hein, ma guéguette. C'est ça, oui. Bon, les clés. Oui, les clés.
Allons. Allons. Ah non, mais te fâche pas, Guéguette, je croyais que c'était toi qui les avais. Ah bah, non, mais tu vas retourner tout de suite à la voiture. Oui. Mais tout de suite. Oui. Allez, on laisse la valise et on y va. On laisse la valise et on va chercher les clés. Ça va? Et fume, force unitaire. Tu vois, c'est ça. C'est tout ça, là. Et dire que ce sera bientôt fini, cette grève. C'est tellement fort, ces moments. Tu vis à 200%, tu fais qu'un avec les autres. Tu te sens vivant. Ça va être dur de retourner dans la petite vie pépère, monotone, sans surprise. Dans mon pauvre quotidien, quoi. Ouais, je comprends. Mais tu devrais dire ça à quelqu'un d'autre. Parce que ton pauvre quotidien pépère, c'est moi, en fait. Ah, mais c'est vrai. Pardon. Bon, c'est pas grave. Francis ! Oh ! Ouais, j'étais en train de parler de mon pauvre quotidien, en comparaison avec ce qu'on vit, là. Putain, on parle pas chez moi, c'est pareil, hein. Enfin, je sais, je sais. Et ça, c'est pépère ? C'est sans surprise, ça ? Je suis plein de surprises, moi. Hein? Et là, je suis sans surprise, hein? Non, non, mais d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, ouais, je j'ai crois compris, bien, ouais. T'es plein de surprises. Ouais. T'es. Chaton. Daniel. Chaton. Viens là. Non, oh, oh, oh. Regarde bien. Non, Daniel. Arrête, chaton, arrête, arrête. Daniel, viens voir, arrête. Non, non, mais t'es pépère. Mais lâche-le! T'es plein de surprises, pardon, c'est de ma faute, pardon. Je suis désolé, les gars. Brigitte ? Monsieur le maire ? Tout va bien ? Oui, monsieur le maire. Alors... Brigitte ? Monsieur le maire ? Vous m'entendez bien quand je parle ? Ah oui, monsieur le maire, oui. Ah, oui. Brigitte ! Oui, monsieur le maire. Non, pardon, rien. Bon, Brigitte. Oui, monsieur le maire. Vous voulez bien couper l'appareil, là, parce que je crois que pour moi, c'est pas une bonne idée, hein. Oui, j'allais vous le proposer, monsieur. Merci, Brigitte. Alors. Hop, et c'est parti pour les deux binous, 6 euros. Parfait, bonne soirée. À nous. Bonsoir, une frite, une bière, s'il vous plaît. La frite, la bière, hop, de la sauce. Non, merci, c'est bon. Ça va, mon Roro? Ça va, tranquille. Allez, hop. Mademoiselle, merci. Ouais, attends deux secondes. J'ai que 5, je suis désolé. On s'en fout, c'est très bien, 5 euros. Allez, bonne ciao, soirée. Bonne soirée. Mademoiselle, c'est possible d'avoir du fruit expan, s'il vous plaît? On n'a pas ça, on a de la bière blonde brune, on a du soda, on a du cola, on a du zurp. Non, 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 du fruit expan. Regardez, c'est pour la gorge. Ah, ok, autant pour moi, c'est vrai. Philippe. Wow. Non mais Philippe, viens s'il te plaît. Oh putain, mais merde, putain, je peux pas être partout, moi j'ai une fournée de choses sur le feu. Non mais là, il y a un vrai client, il voudrait un truc là. Le... Oh, un vrai client, qu'est-ce qu'il vous faut alors? Du foot expan, regardez. Mais bien sûr, du foot expan. Oui, c'est pour la gorge, très bien. C'est le docteur Lefebvre qui vous l'a prescrit. Est-ce que vous avez votre carte vitale, s'il vous plaît, monsieur? Très bien. Merci, monsieur. Voilà. Et ça, très c'est bien. Cadeau par la maison. Voilà. Et attendez, attendez. Bah oui, parce qu'il est très chourant, ça, le docteur Lefebvre. Hein. Voilà, le fruit expo. Attention, attention. Et tenez. Au revoir, bonne monsieur. Soirée, bonne fête de la vie. Au revoir, au revoir. Oh, il y en a encore. Allez, à nous. Les prises. Ah bah, très bien, on fait comme ça. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. José ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous rappelle, hein, je vous rappelle. Tu travailles dans un placard, hein ? T'as le bureau le plus grand de la mairie. Pourquoi tu travailles dans un placard ? Bah oui, mais
Le bureau, là, il est trop grand. Il y a trop d'espace. Moi, je me sens perdu là-dedans. Alors que là, dans mon petit bureau, je suis bien, j'ai tout bien. Bah oui, mais enfin, quand tu fais une réunion avec toute ton équipe, tu fais comment, là? On se débrouille. On se débrouille trop bien, tu sais, avec Brigitte. Hein, Brigitte? Oui, c'est le maire. Oh, pauvre Brigitte, elle aussi. Mais non, elle va très bien. Comment vous vous sentez dans votre bureau? J'avoue que c'est pas si mal. Ah, je suis dérangée par personne. C'est hyper reposant. Je crois que je vais faire brosser le concept. Ah, oui, mais bien sûr, à l'instant. Monsieur le maire, c'est monsieur le préfet. Ah, vous me le passez dans mon bureau. Oui. Sur la 2. Sur la 2. Il faut que je parle avec le préfet. Allô, oui, monsieur le préfet. Comment allez-vous, Jérémy? Bon, bah, écoutez, Brigitte, moi, j'ai laissé le dossier sur le bureau. Hein. Très bien, merci, Liliane. Mmh. Ah, avant que j'oublie. Ah oui, oui. Voilà. Bonne journée, Liliane. Ah, mais bien sûr. Mais, on fait comme on a dit. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que t'écris là? C'est ton CV. Oui, je l'actualise, madame. Quoi, pour deux malheureuses semaines passées à la station-service? Oui, madame, c'est une expérience professionnelle. Ça fait 50 ans que je n'avais pas écrit une ligne sur mon CV. C'est vrai, quoi. Rappelle-toi, en 63, je fais les vendanges. En 64, je suis coursier. En 65, je rentre à la gendarmerie et depuis, plus rien. Alors, pompiste, je crache pas dessus, voilà. C'est sûr que t'as un bel avenir qui se profile. Oui, madame, de nouvelles compétences. Oui, madame. Par exemple, bonjour, madame, je vous fais le plat. Voulez-vous que je vous passe un coup sur le pare-brise et que je contrôle le niveau de votre huile ou alors la pression de vos pneus? Ah, tout ça. Mais c'est nouveau, mais c'est grand. Alors, pompiste, je crache pas dessus, je prends. Pompiste, pompiste. La 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 la. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Patron, oui, c'est foutu, hey. Bricoflex est dans la rue, hey. Tous ensemble, hey. Qu'est-ce que tu fais, là, hey. T'es con, quoi? Tous ensemble, oh, oh, stop, les gars, oh. C'est une action syndicale, là, hein? On n'est pas dans les choristes. Un peu de dignité, quoi, merde. Il est jamais là. Si, mais il travaille beaucoup. Ah bah tiens, il rentre. Coucou. Ça va? Bonsoir, José. Bonsoir, Tata Odette. Merci de m'inviter chez vous ce soir. Oui, c'est moi qui lui ai dit de rester pour dîner. Ah bah, si ça vous dérange pas, hein, parce que je sais qu'avec vos responsabilités... Eh bien, je comprendrai si vous voulez passer une soirée tranquille chez vous. Non, ça va, ça va. Et dites-moi, c'est moi ou nos rapports ont changé depuis que je suis mère? Oh, tout à fait, José, tout à fait. Vous savez que je suis une bonne citoyenne, alors je sais que derrière cette tête d'abruti, il y a la République. À travers le crétin fini, eh bien... C'est le maire que je respecte. Oh, j'oublie l'abruti congénital. Alors là, je vois la fonction. Plus que le vermisseau. Oui, bon, ça va, j'ai compris. C'est bon, ça va. Après, après vous, monsieur le maire. Oh, bon non. Il n'y a plus de maire ici, hein. Ah. Si. Ah. Si. Bon, allez, attention. 3, 4. Mes frères. La soirée est mal commencée avec l'intoxication de notre frère trompettiste. Blablabla. Est-ce un complot de la CIA, du gouvernement ou du Babylone 6-1 ou des trois à la fois? Mais forcément, mes frères. Mais l'esprit de la vie.
du bruit pour Rasta Philippe. Rasta Philippe, notre nouveau trompettiste. Merci, mais je... En fait, je suis saxophoniste. C'est pas un problème. Non. Check. On est tous des frères. Oui, on est tous des frères. Tu es mon frère. Je voulais vous dire que j'ai le cœur gros comme ça, qui est rempli d'amour, et vous savez que c'est assez rare. Je voulais vous remercier, merci les musiciens de jouer avec vous, c'est extraordinaire. Et je voulais partager ce bonheur avec ma femme. Ma femme, c'est Crazy Cat. Alors toi aussi, Crazy Cat, tu es musicienne? Mais je comprends, hein. Mais tu la connais mieux, toi, parle-lui. Oui, bah, je la connais mieux. Enfin, c'est à la maison, c'est pas pareil, ça c'est sûr, mais bon, attends, là, voilà, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet attroupement, là? Alors voilà, ils m'ont demandé de te parler parce qu'ils trouvent que t'es un petit peu trop dur, en fait. T'es quand même assez agressive, tu cries tout le temps, sur tout le monde, c'est pas très sympa, ça. Ok? Alors, ça pourrait se passer d'une manière beaucoup plus tranquille, si tu voulais bien. Hmm? Ouais. Et qui pense ça à part Fabien? Bon, bah c'est super, on a bien discuté. Ouais. Hein? Ouais, allez, chacun reprend son poste maintenant. Oui. Allez, allez. Bah, non. Une belle bande de baltringues. Merci d'avoir cru en ce projet, en moi, vous en l'art. Vous avez Jürgen, vous avez tellement de talent. C'est moi qui vous remercie. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est encore plus beau que sur le papier, sincèrement. Hein, c'est fou. Oui, c'est... Oh, pardon, Jürgen, je reviens. Alors. Mais c'est détruite. Oui. C'est vilain. Hein. Oh, je sais. C'est de l'art conceptuel. Hein. Ouais. Alors, l'art conceptuel, tu comprends? C'est fait pour nous titiller, pour nous faire réfléchir. Il y a une signification dans cette installation. Bah oui, il y a un message. Ah oui, mais c'est quoi le message? Parce que alors moi, je... Mais si, écoute. Bah, toutes ces truites là qui pendouillent, c'est... Quand tu arrives ici dans ta mairie, c'est un océan administratif qui s'ouvre à toi. Ah, ah oui, là, c'est... Bah voilà. Mais les truites, ça vit pas dans les océans, ça vit dans les rivières. Comme les ablettes, les goujons. À la limite, bon, il aurait foutu des merlus, moi je veux bien, bon, mais bah là... c'est une rivière. Là, voilà, c'est une rivière. Ah. Ça va mieux comme ça? C'est un rideau. Eh, un rideau, oui. Oui. Une cascade, si tu préfères. C'est un passage. Un passage. Oh, tu m'agaces à la fin. Croûte. L'art, ça ne s'explique pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on le ressent sensiblement. On est traversé par ou pas. Moi, je peux pas tout te décrypter non plus, hein. On a la sensibilité, on l'a pas, c'est tout. Ouais, tu sais pas, quoi. Oh, tu m'agaces. 24 635 euros, le rideau de truite. C'est pas foutu de ma gueule, le viking, encore, tiens. Babylone, 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 Babylone
alors? Bon, là, il est 4h du matin, on arrête la musique maintenant. Oh, bah mince, c'est pas cool là. Alors, déjà, monsieur, je vous demande de pas me tutoyer, d'accord? Oh, ça va, et calm down, regarde, on est tous des frères, on kiffe la life, on kiffe la musique. Mets-toi au bongo, tu vas comprendre. Je suis pas là pour ça, il y a des gens qui veulent dormir, d'accord? On arrête tout maintenant. Mais ça va, c'est la fête de la musique. Non, 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 vous ne touchez pas, madame, vous touchez pas. Laisse-le, regarde, regarde le pauvre type. Hein. Bon, bah alors quoi? On est victime de Babylon System. Ouais, 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 bah continue comme ça, tu m'embarques direct. Mais embarque-moi, bon, allez, on est moi si on passe, les gars. Touche-moi pas, touche-moi pas. Eh, mais c'est mon mec là. T'inquiète pas, Jaras, t'as pas arrivé sur moi. Oui, vous, vous rangez tout ça, je passe pas une deuxième fois, d'accord? Oui, monsieur le commissaire. Et enlevez-lui son saxophone. Allez, les gars, on remballe. Diesel. Diesel, oui. Injection directe. Et voilà. Ah, ça c'est sans plomb 98. Non, 95, madame. Bah, t'es sûr? Je suis sûr, j'ai vécu parmi les moteurs pendant 15 jours, je sais ce que je dis. C'est petite cylindrée. Eh, regarde, 95. Ouais, bon, tu me dis. Électrique. Ouais. Sans charme, sans personnalité. Ouais. Nul. On va me dire au revoir, Chabard. Ouais, 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 au revoir. Ouais. Ça y est. Quoi? Je me souviens maintenant comment ça a commencé. Ah, mais moi aussi. Oui. Non, c'est pas ça. Non. Si, ça y est, je me souviens. Si, si. Non, ça c'était avant. Oui. Non, c'était avant. Bon, oui. Écoutez, vous nous sonnerez quand vous retrouverez. Ouais, madame Liliane. Voilà, monsieur Chamard, allez. José. Monsieur le maire. Pourquoi tu me dis monsieur le maire? Là. C'est toi le maire, c'est pas moi. Bah oui, ça j'ai dit monsieur le maire. Ben, mais... continue, mais le maire c'est toi, c'est pas moi. Bon, là, enfin, pourquoi tu me dis monsieur le maire? Tu t'appelles? Bon, toi c'est Chamard. Bah oui, c'est Chamard, oui. Lui c'est Fayard. Non, c'est non. Fayard. Première nouvelle, bon, Fayard, Liliane. Liliane, José. Monsieur le maire. Mais continue, hein. Oh là là. Martin, le maire c'est toi, c'est pas moi. C'est pour ça que je dis monsieur le maire. Pourquoi tu dis monsieur le maire? Parce que c'est toi le maire. Je suis le maire, je suis le maire. Non, mais écoute, toi c'est Chamard, quoi. J'irai jamais ce que t'as fait pour moi, Emma. C'est rien, ça, René. Non, c'est pas rien. Ça prouve que tu es une belle personne. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Pour moi, t'es la fille que j'aurais aimé avoir. La mienne est tellement conne. Non, mais c'est vrai ce que je te dis. T'as un cœur gros comme ça. Mais maintenant, il faut penser à vous. Hein, moi, Bricoflex... c'est derrière pour moi. Il faut que je trace ma route, c'est la vie. Non. Hein? Si. D'ailleurs, tiens. Vois cette bague. C'est ma mère qui me l'a donnée. Prends-la. Je peux pas. Mais si, prends-la. Pour moi, tu es la seule personne que je connaisse qui la mérite. Allez. T'inquiète, on lâchera rien. Ah bah non, justement, c'est bon, vous. C'est... Bah, hein? Oui, j'ai mis le paquet comme tu m'as demandé, mais je suis pas sûr que le coup de la bague, ce soit bien... Ah, efficace. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Hein. Ah bon. Il n'y avait pas d'autre solution pour qu'elle comprenne que ça devait s'arrêter, tout ça. Hein? Bah, je suis pas certain qu'elle ait compris. Non, mais t'inquiète. Bah, je... Bon, allez, pars vite avant qu'elle revienne. Eh, hey, oui. Bonne retraite, René. Merci, hein? Oui. Baguette, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma sœur. Elle nous a envoyé nos fiches de paye. Mais pourquoi ça te met dans des états pareils? Mais parce que c'est la première fois que j'en sois une fiche de paye depuis 30 ans. Ah, moi, je croyais que tu suis allée à cause du salaire. Oh, mais aussi, les deux, en fait. Mm. Tu sais pas? Non. Je vais l'appeler, ma sœur. Oui. Pour la remercier. Oui. Et puis pour l'insulter aussi. Oui, t'as raison. Que... T'as raison. Salope.
Tu, les poireaux. Oui, bon, ça va. Ah oui, il y a de quoi chialer quand même. Idée. C'est oui. Ah bah non, je connais même pas encore mon idée. M'en fous, c'est oui. Là c'est un petit peu cher, alors je préférerais quand même t'en parler. On pas besoin, tu vois les gars de la compta, tu leur dis que j'ai dit oui, puis ils te débloqueront les fonds. Mais là, c'est un chèque qu'il me faudrait par contre. Le chèque est sur le bureau. De toute façon, comme tu sais imiter ma signature. Hein. Alors à partir de maintenant... Quand tu veux un budget pour un poète hurleur ou un viking qui jongle avec des truites, tu vas voir le service concerné. Tu leur dis que j'ai dit oui, puis débloquons les fonds. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Je vais manger des chips. Tu vais, là ? Ouais. On fait une petite pause entre deux grèves de la faim pour pas se gourer. Grève de la faim! Grève de la faim! Grève de la faim! Grève de la faim! Oh là 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 là! Oui, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive! Oh, oh mon amour, viens là! Oh, ça va? Ça va. Oh, c'était pas trop dur la nuit au poste. Oh, non, c'est pas possible. Chérie, dis-moi ce qui s'est passé à la pharmacie cette nuit. C'était un mauvais rêve. C'est vrai que... Enfin, une chose en entraînant une autre. J'ai peut-être créé une sympathique ambiance de buvette dans ta pharmacie. Mais c'est... Fou, c'est ça que je veux dire. J'ai vraiment dansé sur du reggae. Oui. Oh non, c'est pas possible. Bah oui, t'as même joué du sax, tu te sens... Oh non, c'est pas possible, je déteste le reggae, mais c'est horrible, quoi. Mais comment j'ai pu faire ça au jazz? Non, mais t'étais euphorique, quoi. T'étais, Non, c'est pas possible. Mais non, mais le plus grave, c'est quand même que ta pharmacie, elle sente le graillon et la bière, non? Je m'en fous de ça, mais le reggae, je suis qu'une merde, mais c'est horrible, quel cauchemar. Mais... T'avais l'air de kiffer, je te jure. Oh là là. T'as même joué du ska festif. Aïe, aïe, aïe. T'as dit que c'était une musique... Je t'en supplie, je vais prendre une douche. Je me sens sale, je te jure. Mais non, mais t'es hyper sale. Bon. Les gens t'adoraient. Non. Ils criaient ton nom. Arrête, je t'en supplie, arrête. Allez. Arrête. Souviens-toi, je te donne, tu me donnes. Non. On se donne. Non, arrête. Je te donne, tu me donnes. Arrête. Je te donne. On se donne tout. T'inquiète pas, c'est moi, chaton. Chaton, qu'est-ce que tu fais? La grève est finie, chaton. Tout le monde rentre, toi aussi. Allez, c'est non, fini. Non, allez, qu'est-ce que tu fais? Ça devient ridicule, truc, cette histoire. Allez, qu'est-ce non, non, on rentre à la maison, c'est fini. Allez, viens là. Où ils vont? Non, non, je te dis, non, rentre là. Non, allez. Non, allez, toi, non, c'est très bien que t'en peux plus de cette grève. Allez, on y va, on rentre à la maison. Allez, ça suffit. Non, c'est ma grève, t'as pas le droit. Oh. Je vais te tuer. Eh ben, tu me tueras à la maison, je te tourne. Allez, allez. Hey, je vis pas sur un parking, moi, hein. Bon. Eh ben voilà. Là, j'ai les résultats du sondage que j'ai commandé. Ah oui? Alors, 3 mois après mon élection, 62% des habitants de la ville sont satisfaits de mon action en tant que maire.
Formidable. Ah bah, je veux, oui, surtout que j'ai encore rien fait. Attends, t'imagines quand je vais donner toute ma pleine puissance, quand je vais lancer tous mes projets, quand je vais promouvoir une politique ambitieuse de la ville. On va peut-être pas tenter le diable non plus. Eh, hey, t'as raison. 62% c'est inespéré. Il me semble. Allez, hop. Oula. Toi, tu repenses à la station-service? Oui, oui. Quand je pense que tu traînais des pieds pour aller remplacer ma sœur... Ben, je pouvais pas savoir à quel point cette expérience serait enrichissante, ma poule. Ah oui, ça c'est sûr, on a appris des trucs. Ah oui. Mais tu sais, j'ai tout noté sur un carnet. C'est pas vrai? Ben tiens. Oh, le cadeau. Alors, tout est là. Alors, ouais. Ah, tiens, je te passe au deuxième jour direct. Le deuxième jour, il y a un client qui m'a payé un peu en carte, un peu en chèque et un peu en ticket restaurant. Une heure pour l'encaisser, ce con. Oh, le génie, oh, le génie. Et c'est lui qui a demandé un ticket de caisse pour chaque produit acheté. Tu l'as noté aussi? Bah oui, bah tiens, regarde, il est là. Oh. Tous les nouveaux trucs pour faire chier les commerçants, là, on va se régaler. Guéguette, je me rends compte qu'on était que des amateurs. Ah oui, mais là, avec tout ça, on va passer en première division. Hein. T'es un génie, ma poule, t'es un génie. Tu te rends compte? On a vendu pour plus de 1200 euros de choux roses l'autre soir. C'est 4 fois plus que les bédocs. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Bon, oui, allez, oui. Philippe, là, il faut que je la ramène à mon cousin, sérieux. Ça nous a coûté quoi? C'était un peu d'huile, un peu de farine, un peu de sucre. S'il te plaît, ça fait 2 heures que tu la stiques, c'est ridicule. Et en plus, je suppose qu'il n'y a pas besoin de licence pour ça. Me réponds pas, je veux pas savoir. Bon, allez, allez, s'il te plaît, là, arrête. Allez. Non, mais il y a mon cousin qui m'attend au stand, là, je vais me faire engueuler. Je l'achète. Mais elle ne vend pas, elle ne se vend pas. Le double. Mais j'achète le double. Philippe, tu t'arrêtes. S'il te plaît. Tu t'arrêtes. Ils sont forts, ces forains. Oh, ah non, je t'assure, hein. 2 heures pour rentrer chez Tata Odette. Comme ça, moi. La ville est totalement bloquée, je sais pas ce qui se passe. C'est moi. J'ai fait fermer la rocade pour faire chez Chamard. Il avait rendez-vous chez Damato, alors je voulais qu'il arrive en retard, quoi. Non mais je me rends compte, non, parce qu'avant quand je lui planquais sur la graffeuse ça allait, mais maintenant que je suis mère, non, faut que j'arrête mes conneries quoi. Mais c'est pas vrai. Non mais là je mérite. C'est pas vrai. Ah oui, non mais là. Attends, je vais. Oui, attends. T'agaces, hein. Allô les gars, oui. Emma, t'as reçu une carte postale de René? Ah oui. Il est à Bali. Ouais. Waouh. Ma petite Emma, ici c'est le paradis. On a loué une villa avec du personnel. D'accord. On n'en fout pas une et on se gave comme des pachas avec Janine. Bise, René. Bah, il s'emmerde pas, le René. Non, mais quelle ordure! Ça va. Bah, déjà qu'on s'est battu pour rien, on a perdu notre salaire des jours de grève. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il claque ses indemnités comme un sale capitaliste! Mais j'ai chopé la crève! J'ai pas bouffé pendant 5 jours! Lui, il se gaffe comme une pourriture avec sa pouffe, là! Putain, sa vague de merde! Ça a l'air pas mal, Bali, hein? Tu pourras me défendre quand j'arrive à la retraite? Oh, arrête, ça va. S'il te plaît, moi aussi, j'ai envie de rien foutre au soleil, avec du personnel à mes ordres. Dans 2 ans, en pré-retraite. C'est joie pour toi! Oh, il est fort, le mec! Guéguette, viens voir! Quoi? Puisque le garage te manque, ouais. Console-toi utile. Oh, Raymond, mais c'est génial! Je peux? Mais je ne suis pas qu'un monstre. Oh, c'est Tiens, ma poule, amuse-toi. Eh oui. Attends, il y a l'autre. Ouais. Mais ne t'attends pas un pourboire quand même. Pousse. Oh, elle adore ça.
Oh, c'est génial. Oh, écoute. Cette femme se sent trahie. Voilà. Elle a été humiliée par son imbécile de mari. Tu comprends ça, Adèle, quand même. Elle est désespérée. C'est ça qu'il faut qu'on ressente. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que faute d'argent, puisque tu as refusé les aides municipales pour ma comédie musicale, eh bien je me débrouille toute seule. Voilà, donc nous répétons ici. Tu peux maintenant aller... Hein? Voilà. Bon, tout le monde est prêt? Hein? Allez, on reprend. Hop! La prochaine reine, ce ne sera pas toi. Charles me l'a dit, il ne t'aime pas. J'ai tout donné à la couronne. Je suis blessée, il m'abandonne. Ce n'est pas ma faute, j'aime Camilla. Elle est bien moins belle, mais bien plus sympa. Je suis si seule. C'est pas grave, allez, je me reprends. C'est pas grave. Bon, allez, ben, voilà, tu me donnes ça, hein, voilà, et c'est pas grave, Adèle, tu feras ma confidente, et puis c'est tout. Oui, ben voilà, c'est comme ça, il faut trancher dans le vide parfois. Alors, voilà. Je suis Sistole. Tu vois, c'est pas compliqué. Bon, mais qu'est-ce qu'il fout, Dodie, là? Hein, c'est maintenant, là, qu'il lui prend la main. Je suis Sistole. Je crains beaucoup. Bon, Fayard, c'est pas grave, Fayard. Dodie, c'est pas possible, c'est... Voyez bien, c'est pas... Non, mais on trouvera autre chose. Vous allez faire le petit William, vous mettrez une perruque rousse. José, tu prends le rôle. Allez, hop, tu. Allez, faut trouver des solutions. Faut rester positif. Bon, rester positif. José, t'es prêt? Oui. Alors, on y va. Tout le monde est prêt. Marc, mettez-vous là, vous êtes bien. Il faut qu'on vous voit au moins que tout le monde... Allez, on y va. Prochaine reine, ce ne sera pas toi. Moi du coup, Charles me l'a dit, il ne t'aime pas. Voilà, j'ai tout donné à la couronne. Je suis blessée, on m'abandonne. Ce n'est pas ma faute, j'aime Camilla. Voilà. Elle est bien moins belle, mais bien plus sympa. Je suis... Je crains beaucoup. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, hein, au début? Ça. On va la remettre. Les pastilles pour la gorge, c'est 1,30€, mais sinon, vous avez ceci qui est formidable aussi, et c'est deux petits... Aïe, 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 aïe. Moi, pour moi, Bricot Fix, c'est fini. Je sais plus comment ça s'appelle, Bricot Fix. Lex, en tout cas, s'il faut aller chercher dans le trou de balle, Rodolphe, hein, je te laisse y aller parce que perso, j'ai déjà fait le voyage. Que serait la vis sans le boulon? Que deviendrait le clou sans une planche de bois à clouer? Un héros sans lit. Ah oui, Charlie Le Bretel. 1999. Oh, putain, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, je ne vois pas. Oh. Ah. Voilà. Et là, c'est toi, Gérard. Oui, c'est moi. Et j'ai envie de lui dire plein de choses. Oui, comme tu sais, une cascade, tu vois. Testicules, tu t'as pas dit testicules? Oh non, ça, tu peux dire que t'as de la chance d'être encore en vie. Hein. Oui, je sais, pardon, ma bougne. La prochaine reine, ce sera pas toi. Il te la reine, non. J'ai tout... Oh merde!